Une poignée de policiers corrompus a transformé le réseau anticriminel de CityOS en une arme redoutable. Des images divulguées récemment dénoncent cet abus. Nous voyons des officiers du commissariat de police d'Oakland détournant CityOS pour faire croire qu'ils étaient sous couverture, ce qui leur permet de faire du trafic de drogue et aussi d'agresser les membres de leur propre communauté, tout cela sans en craindre les répercussions. La conseillère Miranda Comey a demandé à ce qu'une commission indépendante mène l'enquête. Salut! Vous êtes fauché? Alors, c'est sympa ici? La bouffe est... pas top. Ah. T'as attaqué? J'arrive pas à savoir si elle pense que mon masque c'est sexe ou flippant. Le bureau principal du FBI se trouve dans l'immeuble d'Elums. Il nous faut absolument le reste des données. Et pourquoi? Parce que... il y a quelque chose qui se passe, là. Quelque chose de gros. Plusieurs hackers que je connais ont repéré des fourgons qui les suivaient. Bah, ce serait pas la première fois que le FBI essaie d'intimider les hackers, en mode « rejoignez-nous ou mourrez ». Pourquoi maintenant? Vu notre popularité actuelle, le timing est suspect. Tu lui fais vraiment confiance, Harry? Il a peut-être fait un deal? Non, mec, jamais de la vie. Tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Ok. Peut-être que Miranda peut nous aider.
Peut-être. Elle utilise souvent une appli de chauffeur pour ses déplacements. Je vais voir si j'arrive à la choper. Je vous sers quelque chose ? Non, moi je m'en vais. Mais je peux vous poser une question ? Mm-hmm. Vous trouvez que le masque de mon pote, c'est sexe ou flippant ? Les deux. Tu prendras bien un autre café. Allez, à plus. Je suis pressé. Marcus, qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour, Miranda. Oh, je me fais juste un petit peu d'argent de poche. J'hallucine. Où je vous emmène ? Je vais rendre visite à ma mère. Vous avez suivi ma piste ? Ouais, c'était le FBI. Je ne peux ni le nier ni le confirmer. On veut contre-attaquer, mais j'ai pas pu obtenir toutes les données. Il faut que j'accède à leur bureau d'Oakland. Vous prenez de très gros risques, Marcus. Ouais, et alors ? C'est pour ça que vous vous faites passer pour mon chauffeur. Vous pensez que les fédéraux me surveillent aussi ? Vous aussi, non ? Vous vouliez pas me dire d'où venaient vraiment ces photos ? Je faisais juste preuve de prudence. Voilà, c'est pour ça que je préfère vous parler en personne. Marcus, je n'ai pas envie de vous faire la leçon. Mais lorsqu'un jeune homme découvre qu'il est recherché par le FBI, il devrait probablement reconsidérer la manière de gérer sa vie. C'est un bon conseil. Et particulièrement un jeune homme de couleur. Je suis d'accord. Parfait. Je tenais à ce que ce soit clair. Dites, comment vous avez eu ces photos de nous dans le bar ? Disons que j'ai une source. Et votre source, elle a autre chose que je devrais savoir ? Les fédéraux font la chasse aux hackers. Ils essaient de coopter ou de faire chanter le plus de groupes possible. Pourquoi ? Ils veulent le contrôle des Zero Days. Et ils ne veulent pas avoir de concurrence. Wow, si même le FBI s'y met, ça va plus être cool d'être un hacker. Je ne plaisante pas, Marcus. Ils vont tout faire pour neutraliser DedSec, et eux non plus ne plaisantent pas. Thank you.
pour le bureau du FBI. J'ai un ami qui peut vous aider. Mais vous devrez utiliser la procédure Moscou. C'est quoi cette procédure ? Il y a une vieille cabine téléphonique devant l'immeuble d'Elums. Décrochez, identifiez-vous comme Fred et enregistrez le signal. C'est n'importe quoi. Je vais vous laisser une éval de merde sur Driver. C'est ça. Ouais. C'est cool. Alors là, Bloom va le sentir passer. Des preuves qui montrent que la police se sert du CityOS pour couvrir ses bavures, ou encore Bloom qui envoie des flics sur le terrain, armés jusqu'aux dents. Putain, on a même des noms et des visages. Ouais, c'est carrément du lourd. Ils pourront rien maquiller. T'es sûr de toi? Tu veux vraiment tout donner à Miranda? Passer par les voies légales, ça prend toujours beaucoup plus de temps. Plus ça prendra de temps, plus le public le verra. Avec ça, on peut ternir la réputation de Bloom à long terme. Et en plus, on voit bien ça à Miranda, franchement. C'est vrai. T'as raison. Hé, hey, qu'est-ce que tu deviens? Je sais pas ce qu'il prend. Je vais bientôt faire un taf là vers le sud. Ouais, c'est Fred. Super, ça marche bien. Sésame, ouvre-toi. Tu pourrais me remplacer à la réunion Rich?
nickel. Bon, Marcus. Il doit y avoir des infos susceptibles de nous mener à leur point d'observation. Dis-moi où je peux les trouver. Et c'est ça le problème. Ils sont malins, ces enfoirés. On dirait qu'ils ont splitté les données. Du coup, je sais pas quel serveur pirater. Ah bah super. Merci d'avoir attendu que je sois à l'intérieur pour me révéler ce petit détail. Il y a une antenne sur le toit. Essaie de placer un émetteur dessus. Si j'arrive à identifier les données en entrée, je devrais pouvoir retrouver le bon serveur. Ok, pas de soucis. Montez sur le toit, placez un émetteur. J'ai rien d'autre à faire de toute façon.
Ok, je fais ça en 2 secondes. Perds pas de temps à admirer la vue, alors.
Ça y est. Super. Une seconde. Je remonte le flux des données. Oh, je suis pas pressé. Je suis juste sur le toit du FBI. C'est bon. Ok. Je te l'ai indiqué sur ta carte. Présence d'un suspect dans votre secteur. Je l'ai perdu. Faites gaffe!
Je rêve. C'est n'importe quoi. Non ! On vous a échappé. Je peux pas mourir. Reste calme. Surtout, reste calme. C'est pas vrai. Ça craint. Je rêve. Je rêve. C'est n'importe quoi. Centrale à patrouille. Présence de suspects potentiels près de votre position. Police, j'écoute. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? T'as pas le droit d'être là. Oh,
Voilà, c'est exactement pour ça que je fais ce boulot. Putain de ville! Des trucs sur nous. Putain, c'est ouf. Profil, empreinte digitale. Si Tara a été virée du lycée pour avoir mis un truc dans le café du proviseur. Traquez-le, compris? Au sujet d'une planque. Wrench, je suis grillé. Retire-toi, vite, vite. Ouais, mais on n'a pas l'adresse. T'inquiète, j'ai une fréquence. Go.
gaffe, Marcus. Je détecte un max de mouvement. Les mecs du FBI doivent attendre. Restez sur vos gardes. Avertissez le central. Il est parti. Thank you.
ratisse la zone. Tiens donc. On se disperse, ne le laissez pas filer. Non. Je suis sorti, mais putain, ce fail, j'ai rien trouvé. Stresse pas, ma poule. On a la fréquence de la plante maintenant. Du coup, il n'y a plus qu'à faire une triangulation et on saura où elle est. Ah, ok. L'émetteur qu'on a mis en haut de l'immeuble, c'est le premier point. Yep. J'ai localisé deux autres antennes pour compléter le triangle. Moi, je m'occupe d'une, toi, tu fais l'autre, ok? Je t'indique ça sur la carte. Le CityOS a confirmé votre position. La police est en route. Faire ça dans le calme.